Bonjour sur Mtalab, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons espionner Lincoln Loud et son copain pendant 24 heures. Alors je sais pas si vous connaissez les amis, son ami c'est tout simplement Clyde. Donc Clyde qui est son meilleur ami dans la série Lincoln Loud. Enfin dans la série plutôt Bienvenue chez les Loud. Et donc du coup aujourd'hui on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cette journée. On va un petit peu en gros les espionner. Mais avant de les espionner on va d'abord voir s'ils sont bien ensemble et s'ils sont en train de s'amuser. Donc c'est parti les amis, je vais directement toquer chez eux. Qui peut me... Vous pouvez m'ouvrir la porte s'il vous plaît? Ah coucou Lincoln. Oh bah t'es avec Clyde, oh. Salut. Ça va Lincoln? Ouais toi? Ouais bah moi ça va super, vous faisiez quoi de beau ici là? Oh regardez la télé. Ah vous regardez la télé, est-ce que je peux aller voir ce que vous regardez? Oh, ouais je vois, vous regardiez comment ça s'appelle Peppa Pig. Ah ouais vous êtes vraiment des petits cochons vous deux hein. Ok, bon du coup vous vous amusez bien. Clyde, tu vois, je t'entends pas très fort Clyde mais genre vraiment pas hein. Ok, bon Clyde tu as passé combien de temps du coup chez Lincoln Loud? Une journée. Une journée? Donc du coup j'imagine que tu as passé 24 heures, donc c'est-à-dire que tu vas même dormir aussi chez Lincoln Loud. Oui. Ok ça marche. Bon, Lincoln Loud, est-ce que au moins t'as préparé le lit de Clyde et tout, t'as préparé tout ce qu'il faut? Ah oui. Ouais, nickel, ok. Bon, vous allez faire quoi aujourd'hui? Vous allez faire un petit tour de piscine, vous allez faire la cuisine, vous allez faire le ménage, vous allez faire quoi? Vous allez écouter de la musique? Non, on pensait aller dans la piscine. Ah, vous allez aller dans la piscine? Ok, bon bah vous savez quoi? Je vous laisse tranquille, je vais vous laisser votre journée entre potes, et puis bah moi si vous voulez, je pourrais revenir un autre jour si jamais tu veux qu'on fasse une soirée pyjama ou un truc comme ça. Ok. Ok, allez, vas-y, à plus Lincoln. Ok, bon les amis, comme vous avez pu le voir. Allez, bon voilà, donc comme vous avez pu le voir, il y a Lincoln Loud et Clyde qui s'entendent vraiment super bien apparemment. Donc du coup, ils vont sûrement aller à la piscine maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller les espionner. Les amis, la mission espionnage commence dès maintenant parce que comme vous avez pu l'entendre, Lincoln Loud et Clyde vont rester 24 heures ensemble. Donc nous, c'est parfait, on va pouvoir les espionner pendant une journée entière. Donc voilà, let's go, allez, c'est parti. Donc du coup, je pense que dès maintenant... Non, on va pas prendre cette potion, qu'est-ce que je prends moi? On va prendre directement une potion d'invisibilité pour pas qu'ils nous voient. On va d'ailleurs enlever même notre petit... tunique en cuir, voilà les amis, tac, on l'a enlevé notre fidèle tunique en cuir pour aller tout simplement espionner Clyde et Lincoln. Alors je sais pas où est-ce qu'ils devraient être mais normalement ils sont dans la piscine, donc c'est parti, on va aller se rendre dans la piscine voir si non, ils sont là. Ah bah regardez les gars, il y a Lincoln Loud qui est juste là, il est en train de... Quoi? Regarde. What? Les gars regardez, Lincoln Loud il a sauté dans l'eau avec Clyde. Ah ouais les amis là regardez, ils sont en train de faire des longueurs et tout, ils sont en train de nager. Ouais mais ils sont trop forts les amis, mais ces personnages là ils sont vraiment mais trop forts. Regardez, Lincoln Loud il est en train de faire des longueurs là. Là il y a Clyde je crois qui a un petit peu du mal à nager donc il est sorti dehors. Peut-être qu'il va aller se poser sur le transat lui. Bon, ce qu'on va faire les amis c'est que si Clyde... Ah non il va retourner faire un tour, ok. Bon ce qu'on va faire les amis c'est que je vais directement faire le premier piège les amis. Parce que les amis en fait dans cette vidéo on va les piéger un petit peu. Donc premier piège, qu'est-ce qu'on pourra leur faire? Ce qu'on va faire c'est qu'on va le... je vais jeter des fleurs au-dessus de la piscine et on va voir du coup comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc du coup allez, on va jeter des roses, tiens hop des petites roses. Voilà, c'est parti, donc du coup tac je vais jeter des petites roses partout autour de la piscine. Donc tac là voilà, hop là nickel. Est-ce qu'ils vont réagir ou pas? Clyde, c'est toi qui as lancé des fleurs? Non, je l'ai monté pour voir. Pourquoi il a des fleurs alors dans la piscine? Je sais pas. Attendez, amis, je vais jeter des fleurs juste au-dessus de la tête à Lincoln. Hop là. Oh. Aïe. What? Ah je crois que les amis, je crois qu'il a pris les roses les amis. What? Ok. Bon, du coup les amis, premier troll, je pense que là, pour l'instant, ils se doutent de rien, ils se doutent pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de les espionner ou quoi. À mon avis, ils doivent juste dire que c'est un petit peu what the fuck. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, je vais mettre un coup à Lincoln, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Il va penser que c'est Clyde. J'ai rien fait moi. Attends, on va passer Clyde, vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1. C'est qui m'a poussé? T'as glissé avec l'eau? What les gars, vous avez vu, il y a Clyde et Lincoln qui sont en train de penser qu'ils ont glissé. Enfin ils pensent que c'est encore que des erreurs ou des trucs, des petits fails. Sauf qu'en réalité c'est moi qui les ai poussés et tout. Donc ça va les amis, c'est que je vais pousser aussi Lincoln là maintenant, là vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attendez, dès qu'il va être au bord de la piscine je vais le pousser. Clyde, tac. Prends le petit. Ok. Attention les amis, hop, Clyde il va tomber. Ah les gars. What les gars, là je crois qu'ils sont en train de se faire maltraiter. Ok, bon ce qu'on va faire c'est que je vais leur dire de rentrer. Donc je vais faire une voix un petit peu grave en mode comme si j'étais le dieu. Vous êtes prêts les amis? Dans quelques secondes je vais faire une voix de dieu et ils vont devoir rentrer à la maison parce que sinon ils vont avoir peur. Rentrez à la maison tout de suite, sinon je vais vous niquer. Ouais, je vais pas dire la suite. Rentrez tout de suite à la maison. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ok, bon les amis, donc du coup c'est bon. Ce que je pense. C'est bon les amis, donc du coup là ils sont partis rentrer à la maison. Donc du je coup. Je pense que c'est. Je vais dire une bêtise. Hop là, allez c'est parti, nous on va directement faire claquer les portes juste pour voir comment ils réagissent. Tac. Oh.
Ouais, c'est quoi ce bruit? Regarde les portes! Wesh! Wesh! Mais les portes à santé ou quoi? Je suis Dark Vador! Ah! Vite! Vous se cachez! Les gars, vous avez vu, il y a Lincoln Load et son pote Clyde qui sont en train de péter un câble, les gars, je crois qu'ils ont vraiment super peur. Ok, bon les amis, donc comme vous avez pu le voir, la première partie du troll fonctionne plutôt bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que... La porte ne va pas s'ouvrir. Oula, de quelle porte il parle? Attendez. Ah, ils veulent partir de la maison avec leur voiture et tout, parce que je pense que je vais casser la voiture, vous êtes prêts? Attendez, où est-ce qu'ils sont? Ok, ils sont là, vous êtes prêts? Attends, tac, on va casser les voitures, les amis. Donc quand ils vont revenir, il n'y aura plus aucune voiture, on va voir comment ils vont réagir. Donc tac, hop, on casse la première voiture, nickel. Waouh! Wesh! Tac. Pourquoi les voitures se cassent? Mais c'est la... Vanzilla. Tac, on casse la deuxième voiture, attention, et maintenant on va casser la dernière, la petite voiture jaune. Allez, et voilà, c'est bon, j'ai cassé toutes les voitures, donc du coup, ils vont plus pouvoir s'enfuir, mes amis, maintenant, donc voilà, nickel. Vite, barricade la porte. Ils veulent barricader la porte, sauf qu'ils savent pas qu'il y a des entrées partout dans cette maison, mais ils sont vraiment un petit peu gogol, ces personnages-là. Hein. Alors, donc c'est parti, nous, on va direct... Ah, ils veulent barricader toutes les portes, mais sauf qu'ils connaissent pas qu'il y a des issues qui sont vraiment toutes simples à y avoir accès. Regardez, ici, là, on a une issue qui est vraiment super simple à y avoir accès. Barricade toutes les issues. Les connes. Regardez, ils ont même pas pensé à barricader les fenêtres ici là. Enfin les fenêtres, la petite terrasse. Ok, donc du coup je sais pas, j'ai pas suivi où est-ce qu'ils sont passés, Lincoln Load et Clyde. Ah, ils sont dans l'eau, what? Mais qu'est-ce qu'ils font dans l'eau? What? Ils se baignent avec les poissons. Vous allez bien les gars? Hein? Hein? Là ils ont pas compris la voix elle venait d'où hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les suivre, les amis. Donc, normalement, dans quelques instants, il va bientôt faire nuit. Parce que, les amis, du coup, dès qu'il va faire nuit, ils vont sûrement aller faire un truc à manger. Ils vont peut-être aller faire un truc à manger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour éteindre la cheminée dès qu'il va faire nuit. Donc, vous êtes prêts, les amis? Je vais mettre la nuit, tac. Donc, comme ça, il va faire nuit d'un coup. Vous allez voir, regarde, hop, heure, nuit. Enfin, coucher de soleil plutôt. Voilà. Là, il commence à faire nuit, les amis. Donc, du coup, ils vont partir manger, je pense. Donc, ils vont redescendre en bas pour aller manger. Viens, on va cuisiner. Oh, ouais, ça y est, on va savoir la dalle. Allez, et en fait ce qu'on va faire, c'est que dès qu'ils vont partir manger en tête à tête, vous avez vu ici là, il y a une table qui est juste ici en tête à tête. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà décaler un petit peu la table, donc on va la mettre un peu vers ici, mais bon, ils vont pas voir. Ils vont manger quoi? Ils vont pas voir que. Du steak. Tac. Du steak. Hop là, ouais. Après les amis, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir, ça va être vraiment super génial. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les gars. Hop là. Tac, on va casser cette porte. Voilà. Allez. Nickel. Ok. Bon, pour l'instant les amis, tout se passe comme prévu, les amis. Regardez-moi ça. Donc tac, on va mettre maintenant ça. Pendant ce temps, je vais faire un gâteau. Ça ici. Gâteau, voilà. Qui est dans le frigo. Ça ici et ça ici. Voilà. Parfait. Donc comme vous avez pu le voir, les amis, la première partie du troll fonctionne plutôt bien. Donc là, hop là, il y a Lincoln Lodge qui s'est posé dans son siège. Donc Clyde qui va sûrement aller juste à côté de lui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il mange en face à face comme ça, comme si c'était des amoureux en tête à tête. What the fuck. Ok. Donc là, c'est de me dire, regardez, ils sont partis manger. Et ouais. Sauf que les amis, du coup, nouveau troll, vous êtes prêts, les amis? On va directement. Tiens, j'ai pris le gâteau qui est il mange dans un gâteau et tout. Oh, c'est trop mignon, les gars. Regardez, ils sont en train de manger un gâteau. Ok. Bon, on va attendre qu'ils s'amusent un petit peu. Et après, je vais éteindre le feu devant eux. On va voir. Bon, ils sont en train de finir le gâteau, les gars. Je crois. Regardez. Mmh. Vraiment le gâteau. What? Qu'est-ce qu'ils font? Non, non, non. Ils ont fait. What? Les gars, Clyde et son meilleur ami Lincoln Lodge viennent de se faire un bisou. C'est quoi ce bordel? Mais attends, mais je savais pas que. Mais pour moi c'était des meilleurs amis. What? Attends, mais c'est pas possible. What? What? Les gars, regardez, il y a Clyde et Lincoln qui viennent de s'embrasser. Ok, bon, je vais éteindre le feu, vous êtes prêts? Wow. Le feu, il a été éteint. Attends, vas-y, je vais chercher un briquet dans la cuisine. Bon, les gars, là, je crois que... Ils vont rechercher un briquet pour allumer le feu, d'accord, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser tranquillement allumer leur feu, parce que là, je crois qu'ils veulent vraiment absolument allumer le feu. Donc, du coup, voilà, les amis, c'est nickel. Ok, bon, attends, est-ce qu'ils vont rallumer le feu? Ah, ils ont rallumé le feu, d'accord, ok, normal. Donc du coup les amis, regardez, il y a Lincoln Lode et Clyde qui sont partis allumer le feu. Donc voilà, donc là je pense que c'est bon, là je pense qu'ils sont équipés. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils comptent faire. Donc je vais pas trop parler parce qu'à mon avis là ils vont sûrement aller se coucher parce qu'il commence à faire nuit. Donc comme vous avez pu voir, donc du coup voilà, tac, attendez, il fait déjà le jour, ok, bon on va remettre la nuit vite fait. Tac, donc c'est parti, oh, qu'est-ce qu'il a dit là? Lincoln dit on va dans la chambre. What? Venir. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la chambre, Clyde et Lincoln? Bon, on va aller les suivre, les amis, c'est pas grave, c'est pas des trucs qui nous regardent dans tous les cas. Donc, on va suivre. Alors là, il y a Lincoln Lode ici qui est en sneak, alors je sais pas par contre pourquoi il bouge pas. Il y a Clyde, il est là. Alors, Lincoln? Il est pas là, Lincoln? What? Ok, bon, vas-y, mais bon, je crois que Lincoln, il est là. Ah, il arrive. Ok, ça marche. Bon, vas-y, bah, je pense que Clyde, il peut déjà commencer à aller dans sa chambre. Oui. Et on va dans la chambre. Je pense qu'on. Il vaut mieux dormir.
What? Ils vont aller dans leur chambre les gars. Allez c'est parti. Moi les amis je vais prendre ma potion de vision nocturne, enfin ma potion d'invisibilité parce que je crois qu'elle venait de se désactiver juste devant eux. Mais au moins ils m'ont pas vu donc ça c'est cool. Voilà, nickel. Ok donc c'est parti, j'ai mis... Ah ils vont choisir leur chambre les amis. N'importe. Attention, quelle chambre ils vont aller? Ils vont peut-être aller là-dedans. Non, ils aiment peut-être pas trop celle là. Peut-être là-dedans. Ah ils vont là-dedans, ok nickel. Bon, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ils vont peut-être faire des vidéos, c'est vrai qu'ils font des vidéos eux deux encore. On va voir s'ils font des vidéos. Du coup tu veux qu'on fasse quoi comme vidéo? Ouais une vidéo Fortnite hein. Ouais on va faire du Fortnite les amis, il y a Clyde et Lincoln Lodge qui vont faire du Fortnite. Ok, bon, du coup on va rester vers ici là, on va aller regarder un petit peu comment ils s'occupent. Est-ce qu'ils mettent une caméra d'ailleurs ou pas? Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils mettent la caméra, donc je pense qu'ils font des vidéos pas en facecam. Mais quel code, toi? Lincoln. Ouais. Tu as mis quel code là? Je vais mettre le code créateur Twitter. Oh yes! Les gars vous avez entendu ça, il y a Clyde et Lincoln qui ont mis mon code créateur. Voilà donc n'hésitez pas, tous ceux qui jouent à Fortnite actuellement ou ceux qui ont des frères et sœurs qui jouent à Fortnite, n'hésitez surtout pas à tous mettre le code créateur Twinner, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire sur Snapchat ou Instagram, je répondrai à tous ceux qui le mettent et je ferai une dédicace à tous ceux qui m'ajoutent sur Snapchat ou Instagram. Donc voilà, dès maintenant, j'ai mon Instagram dans la description, c'est juste Twinner YT, voilà vous tapez Twinner, normalement vous allez me trouver. Et puis voilà, venez tous me follow sur Insta, venez tous me follow sur Snap. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Hein? Viens, on fera le montage de la vidéo demain. Ils vont dormir, je crois, les amis. Regardez-moi ça. Donc, vous avez vu, il fait nuit dehors. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont aller dormir. Oh, c'est trop mignon. Regardez, il y a Lincoln et Clyde qui dorment. Ah, attends. Ah, il y a Lincoln qui ferme la porte. Ok, donc je pense que là, il veut pas qu'on voit ce qui se passe. Il veut que personne les voit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attends, la fenêtre, on fait quoi? What? Ils veulent même fermer la fenêtre? Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont préparer là? Attends, ils font quoi? Pourquoi ils ferment la fenêtre? Allez. Ah, attends, je ferme la fenêtre. Ah il va mettre des rideaux carrément, ah ouais d'accord. Ah ouais les amis, mais Lincoln il rigole pas du tout hein. Il met carrément des rideaux, des fenêtres et tout. Waouh, ok ça marche. Bon du coup on va les laisser faire leurs petits équipements. Voilà donc là je pense qu'ils sont bien là, ils sont bien camouflés là les gars. Donc, ok. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde quand même au cas où. Ouais. Ah il regarde quand même s'il y a des gens en dehors, d'accord. Ok, bon et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi mes soeurs, attends il est quelle heure? Parce que mes soeurs vont peut-être revenir vers minuit. What? Ces soeurs elles peuvent revenir vers minuit? Bon, je pense qu'ils ont une heure devant eux pour faire ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va regarder un petit peu. Ok, il y a Lincoln qui est là. Il y a Clyde qui est là. Tu veux faire quoi, Clyde? Je sais pas. Toi? What? Les gars, je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Loud et Clyde. Donc, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre ici. Tac. Ok, il y a Lincoln qui est monté sur un truc. Il y a Clyde qui est sur lui. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais partir 2 secondes. Enfin, je vais partir 5 secondes de la maison, de la pièce. Et je vais revenir dans 10 secondes. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, dès maintenant, n'hésitez pas à tous me dire en commentaire qu'est-ce que vous allez penser que Lincoln, Loud et Clyde vont faire. Oh, de si secret comme ça. C'est parti, les amis. Je rentre dans la pièce. Attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? What? Mais il fait quoi, Lincoln, avec Clyde là? Wesh. What the fuck? Ouais, wow, hardcore. Les gars, oh mais je savais pas qu'ils étaient comme ça en fait. Attends, fais voir. What the fuck? Attends, mais Lincoln Lowe et Clyde en fait, ils sont amoureux, je crois, les gars. Ok, bon. Et bah, du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. J'ai réussi à les espionner. Bon, pas pendant 24 heures parce que, les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai pas encore fini la journée. Mais là, je pense que ça nous a suffi pour une journée, je pense. Donc, du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner tous à la chaîne, à mettre aussi un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à activer la cloche de notification sur la chaîne parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos sans mettre la cloche. Et ça, franchement, je trouve ça très dommage parce que je sors une vidéo tous les jours et en plus, c'est avec des personnages animés comme vous adorez. Donc, du coup, voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.